C'est maintenant la période des questions. La parole à la chef de l'opposition officielle. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nos sources, ma première question est pour le Premier ministre ce matin. Nos sources nous disent que momentanément, le gouvernement va annoncer une limite au sujet du nombre de personnes qui sont permises dans les rassemblements à l'intérieur et à l'extérieur. À Toronto, Peel et à Ottawa, les gens, on va demander aux gens de limiter leur rassemblement à l'intérieur à 10 personnes. Ma question au Premier ministre, c'est est-ce que cette limite de 10 personnes dans les endroits à l'intérieur inclut nos salles de classe en Ontario? Question au Premier ministre, réponse. Alors, à la chef de l'opposition officielle, je suis heureux d'entendre les rumeurs. Elles sont seulement à moitié vérifiées. On va en parler à 13 heures, mais notre priorité première est de protéger les Ontariens partout dans la province, mais aussi dans les zones où il y a des éclosions, à Toronto, à Ottawa, à Peel. Et Monsieur le Président, nous, on suit toujours les recommandations de nos médecins hygiénistes en chef et les médecins hygiénistes en chef partout dans la province. Et on écoute aussi les maires, parce que personne ne comprend mieux les communautés que les maires. Et lorsqu'on a des requêtes venant de la part du maire, le médecin hygiéniste en chef et le médecin hygiéniste en chef de l'Ontario, on les écoute et on applique leurs conseils. Et on va continuer de suivre leurs conseils. Merci. Question complémentaire. Monsieur le Président, depuis des mois, le Premier ministre insiste qu'avoir les élèves qui sont accumulés ou serrés dans des classes jusqu'à 30 élèves est complètement sécuritaire. Et aujourd'hui, à Ottawa, le gouvernement là-bas dit que ce n'est pas sécuritaire et on a besoin seulement d'une limite de 10 personnes. Les bus scolaires également, comme le Premier ministre le sait, sont remplis de 70 élèves. Et les experts nous disent que ce n'est pas sécuritaire de faire cela. Alors comment est-ce que cela, comment ils justifient le fait qu'on continue de permettre à Ottawa, à Peel et à Toronto d'avoir plus de 10 élèves dans une salle de classe? Pourquoi est-ce que c'est correct d'avoir 70 élèves dans un bus et 30 élèves dans une salle de classe quand il dit que ce n'est pas sécuritaire d'avoir 10 personnes dans un endroit clos? Je demande aux députés de s'asseoir. Réponse, ministre de l'Éducation. Merci, Monsieur le Président, et merci à la chef de l'opposition pour la question. Juste pour vous donner des données un peu plus extensives au sujet de ce qui se passe à Toronto, à Peel et à Ottawa. Dans le conseil scolaire de Toronto, nous avons embauché encore plus d'éducateurs parce que ce gouvernement a investi des millions de dollars pour assurer que la distanciation est appliquée dans la province de l'Ontario. Dans le conseil scolaire de Peel, nous avons également embauché 58 éducateurs supplémentaires en utilisant les réserves de financement provincial et fédéral. 33 millions de dollars qui ont été déverrouillés pour embaucher encore plus de personnes afin d'améliorer la sécurité et réduire les risques dans les écoles. Question complémentaire. En fait, ce qu'il vient de dire n'a aucun sens. Les propres experts du gouvernement étaient très clairs. C'est impossible de pratiquer la distanciation physique de façon sécuritaire lorsqu'on a 20 ou 30 élèves dans une salle de classe. Le Premier ministre dit maintenant qu'un rassemblement de plus de 10 personnes à l'intérieur serait un risque. Et pourtant, il permet que les élèves soient encombrés dans des classes, dans des salles de classe et dans des bus scolaires. Plus tard, j'aurai une motion pour qu'il y ait un plafonnement clair sur le nombre et l'effectif des élèves dans chaque salle de classe. Ma question pour le Premier ministre est, finalement, est-ce qu'il va prendre les bonnes décisions pour nos enfants et faire un plafonnement sur l'effectif des élèves dans les classes pour éviter la propagation de la COVID-19 dans nos écoles, mais aussi dans nos familles et le reste de la communauté? Réponse. Notre plan a été éclairé par des preuves scientifiques et médicales et a été approuvé par le médecin hygiéniste en chef. Et ce que je peux vous dire, c'est que le contexte, clairement, c'est exactement ce que notre gouvernement fait. Nous avons fait une pause dans le retour et l'expansion du relâchement des
des instructions et des recommandations de santé publique. Nous avons investi 1,3 milliard de dollars alloués pour aider à doubler le nombre d'agents de santé publique, d'éducateurs, avoir plus de tests, et on comprend que c'est important de le faire et on va être là pour nos écoles et pour leurs familles. Prochaine question, chef de l'opposition officielle. Merci. Ma question encore une fois pour le Premier ministre. Au cours de la dernière semaine, les familles ont eu des préoccupations grandissantes au sujet du nombre de la hausse des cas de COVID-19 dans notre communauté. Ils sont inquiets par rapport à la deuxième vague. En même temps, qu'ils ramènent leurs élèves à l'école dans des classes entassées. En même temps qu'ils entassent leurs élèves, leurs enfants dans des bus scolaires qui sont bondés de 70 élèves. En même temps qu'on sait déjà qu'ils sont inquiets par les propagations qui se passent dans les foyers de soins de longue durée. Les files d'attente pour les tests sont de plus en plus longues. Le gouvernement de Ford a fait une promesse il y a quelque temps, disant qu'ils avaient un plan d'urgence détaillé en place au sujet d'une potentielle deuxième vague. C'est comme ça qu'ils l'ont appelé. Ils ont promis encore ce plan cette semaine. Alors, où se trouve ce plan? Réponse, ministre de la Santé. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je peux assurer à la chef de l'opposition officielle et aux Ontariens que nous avons un plan exhaustif préparé pour l'automne afin de gérer une potentielle deuxième vague qui va être publiée très sous peu. Il va prendre en compte la vague à venir de la COVID-19 sous toutes ses formes, que ce soit une petite hausse ou une haute hausse. Nous sommes préparés pour tous les scénarios. On a également la saison de la grippe qui approche. On a un nombre élevé de personnes qui se présentent dans nos hôpitaux à cause du transfert des patients dans les foyers de soins de longue durée. Nous avons également essayé de rattraper les chirurgies qui ont été reportées. Alors, ce plan sera beaucoup plus détaillé. Nous sommes prêts et nous allons gérer toute deuxième vague. Question complémentaire. Peut-être que le gouvernement ne s'est pas rendu compte que l'automne vient juste après l'été. Et c'est ridicule de dire qu'ils sont préparés alors qu'on voit de plus en plus de files d'attente dans les centres de tests dans la province. Alors comment est-ce qu'ils ne savent pas que les parents qui ramènent leurs élèves, leurs enfants à l'école et les gens qui veulent retourner au travail aimeraient avoir plus de tests pour assurer qu'ils sont en sécurité et qu'ils puissent garder les autres autour d'eux en sécurité? Les hôpitaux, l'hôpital pour les enfants malades ont souligné cela lorsque le gouvernement, il y a quelques mois, a parlé du retour à l'école. Et il semble que ce gouvernement a été pris au dépourvu, ou peut-être qu'il ne se préoccupait simplement pas du fait que les gens auraient besoin de se faire tester. Si le gouvernement avait eu un plan, on n'aurait pas vu des files d'attente qui sont longues de kilomètres partout dans la province. Si le gouvernement avait un plan, et pour les citer, un plan détaillé et exhaustif, alors pourquoi est-ce qu'on a l'air si peu préparé pour l'automne et pour septembre? Arrêtez la pendule. Nous entendons des bruits dans le coin nord-est de la Chambre. Je vais demander aux différents ministres impliqué d'être appelé à l'ordre. Même si vous portez un masque, je peux entendre votre voix et la reconnaître. Redémarrer la pendule. Réponse du gouvernement, la ministre de la Santé. Merci. Je peux certainement assurer à la chef de l'opposition officielle que nous sommes préparés pour l'automne. Nous avons déjà des mesures en place. Nous avons augmenté les capacités dans nos hôpitaux. Nous sommes prêts pour la saison de la grippe. Nous avons commander des vaccins pour la grippe et nous sommes prêts. Nous avons vu une hausse de 3% en termes de demande pour les tests au cours des trois dernières semaines et les questions ont déjà été posées par les députés de l'opposition et nous avons réagi immédiatement. Nous avons augmenté la capacité à pile
et 4 unités mobiles ont été prévues pour le 21 septembre. À Toronto, nous avons 2 centres d'évaluation qui ont augmenté leur capacité en heures et nous aurons une unité également qui sera en place pour la semaine du 21 septembre. Avec une augmentation de 21 % dans les services. À Ottawa également, nous avons 4 centres d'évaluation qui ont augmenté leur capacité et leurs heures et 3 unités mobiles qui seront prêtes d'ici demain. Et donc, je peux vous assurer que nous sommes prêts. Question complémentaire finale. Monsieur le Président, je dois dire que la ministre de la Santé vient d'identifier les problèmes les plus urgents avec ce gouvernement Ford. Encore une fois, ils réagissent à une crise plutôt que de se préparer et de s'assurer que ces mesures étaient en place avant le début du problème. Et c'est ça qui cause les problèmes depuis le début. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Des familles qui sont obligées d'attendre dans les files d'attente pendant des heures pour se faire tester. On met des enfants dans des bus scolaires qui sont entassés. Le manque de préparation est juste choquant. Encore une fois, le fait que dans les foyers de soins de longue durée, il y a des éclosions qui coûtent la vie des gens. Ici, c'est une réaction à une crise qui est déjà présente dans nos vies. Ce matin, Radio-Canada a rapporté que les unités de santé publique ne savent pas où est-ce que les gens ont contracté la COVID-19 dans 54 % des cas. Cela veut dire que le suivi des contacts ne fonctionne pas pour les Ontariens. Alors, la question pour la ministre et pour le premier ministre est, bien qu'ils disent qu'il y a un plan d'urgence, où est-ce qu'il se trouve et quand est-ce qu'on va le voir? Je demande aux députés de s'asseoir. Réponse du Premier ministre. Monsieur le Président, je suis ici de l'autre côté de la Chambre et j'entends la chef de l'opposition qui se plaint depuis alors que la ministre de la Santé travaille à chaque heure depuis 5 mois pour régler ce problème. Ma question est-ce que la chef de l'opposition n'a pas vu toutes les mesures qu'on a prises pendant ces 5 mois? Tout le monde collabore partout dans le pays et tout le monde fait de son mieux. Et là, on a l'opposition qui prétend avoir toutes les réponses. Alors, je peux assurer aux gens de l'Ontario que nous utilisons chaque ressource possible, chaque outil possible à notre disposition pour essayer de faciliter leur vie. Et quand la chef de l'opposition officielle critique cela, elle ne fait pas que nous critiquer, nous, mais elle critique également les travailleurs de première ligne, les médecins et tous ceux qui ont aidé à concevoir ce plan, tous ceux qui travaillent pour la réussite de ce plan. Thank you. Merci. Restart the clock. Redémarrer la planche. Prochaine question, député de Davenport. Eh bien, Monsieur le Président, bonjour. Cette question est pour le Premier ministre. Au début de cette semaine, j'ai indiqué que des larges effectifs de salles de classe et la hausse des cas de la COVID-19 partout dans la province allaient mettre en danger le retour des écoles. Le ministre, encore et encore, a refusé d'admettre que les effectifs larges partout dans la province sont exactement les mêmes que la période avant la COVID. Et 3 jours après, on a 41 cas de la COVID-19 à l'école et notre première clôture d'une école au comté Renfrew. Cet après-midi, tous les députés auront une chance de trouver une solution lorsqu'ils vont débattre la motion de la chef de l'opposition officielle pour plafonner l'effectif à 15. Et maintenant, on nous parle du fait que les rassemblements à l'intérieur avec un nombre de plus de 10 personnes présentent un risque. Alors, pourquoi est-ce que nos enfants ne comptent pas? Quand est-ce que le Premier ministre va se joindre à nous pour assurer que nos enfants, nos familles et nos communautés restent en sécurité? Réponse, ministre de l'Éducation. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Lorsque nous avons développé le plan pour
répondre à la COVID-19, nous avons écouté les conseils des experts à chaque étape. Et ce dont on a parlé, c'est le problème de transmission pour les enfants. Et il y a plusieurs couvertures, plusieurs niveaux à ce plan. On essaye d'atténuer les risques. Et le message est que on veut avoir des mesures pour améliorer l'environnement, améliorer la qualité de l'air, améliorer l'assainissement des écoles et des bus. Et on a ajouté 100 millions de dollars pour améliorer le financement, pour augmenter le nombre des infirmières dans les écoles. On a essayé d'embaucher plus d'éducateurs spécialisés, également plus d'enseignants. Nous sommes engagés à protéger nos élèves. On continuera d'être là pour les protéger. Et c'est pour cela que le gouvernement a investi 15 millions de dollars pour répondre à ce défi. Question complémentaire. Monsieur le Président, si les chiffres que nous voyons chaque jour ne sont pas un rappel à l'ordre pour ce gouvernement, je ne sais pas qu'est-ce qui va les réveiller. Et peut-être qu'ils n'aiment pas le fait que nous présentons ces questions, mais c'est notre travail, notre responsabilité en tant que législateur de le faire cela, de présenter la voix et l'opinion, les préoccupations des parents et des élèves. Désolé si vous n'aimez pas cela. Le lundi matin, le ministre a acclamé que ils avaient embauché des milliers et des milliers d'éducateurs. Mais ce qu'on voit, ce qui a été rapporté, c'est que les travailleurs dans les bibliothèques ont été renvoyés. On voit des rapports de salles de classe qui sont soit vides, soit surchargés. Et c'est inconcevable de savoir que les éducateurs sont tout simplement renvoyés. Alors, est-ce que le gouvernement va finalement encourager les conseils scolaires à embaucher des éducateurs et à réduire les effectifs? Réponse. Le gouvernement a alloué 200 millions de dollars pour embaucher plus d'éducateurs dans différents conseils scolaires à Toronto, à Peel et dans d'autres villes. Et on voit des centaines de nouveaux éducateurs qui sont embauchés. C'est parce que le gouvernement a fourni aux conseils scolaires l'attitude financière pour pouvoir financer toutes ces embauches. Quand on demande aux membres des personnels de se faire tester, c'est pour assurer la sécurité des enfants. Nous avons une obligation envers la province et on essaye de répondre aux conseils et aux préoccupations des unités de santé publique. Et on encourage tous les parents et tous les élèves d'être vigilants alors que nous répondons à ces défis. Prochaine question, député de Brampton West. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour le Premier ministre. Au cours des derniers mois, notre gouvernement a travaillé de façon collaborative avec le médecin hygiéniste en chef et les meilleurs experts médicaux. Notre priorité première est d'assurer la sécurité et la santé des enseignants et des élèves. Et nous avons embauché environ 500 infirmières additionnelles dans nos écoles. 625 postes ont été remplis. Nous avons également embauché 1300 membres du personnel pour l'assainissement des écoles et 2600 enseignants. Nous avons investi 1,3 milliard de dollars afin d'acquérir plus de pays et de fournitures de nettoyage. Est-ce que le Premier ministre peut nous parler un peu plus des autres mesures que nous avons entreprises pour assurer la sécurité dans les écoles? Réponse. Je remercie l'excellent député de Brampton West pour cette question. C'est ce genre d'outils qui vont nous aider à entraver la COVID-19 dans les écoles. Et nous avons écouté les parents, les éducateurs, et nous avons essayé d'identifier les symptômes et à gérer les cas. Et nous avons fourni l'aide nécessaire pendant la COVID-19 et nous avons annoncé hier le lancement d'une nouvelle application de test de la COVID-19 qui est interactive pour les élèves, les parents et les enseignants. Et c'est gratuit et c'est de façon volontaire et c'est facile à utiliser. Et vous pouvez aller sur le site web ontario.ca/COVID-19 et j'encourage tous les éducateurs et les parents à utiliser cet outil pour assurer la sécurité dans les écoles. Question complémentaire. Ma question est pour le Premier ministre, encore une fois. J'aimerais réitérer vos sentiments. Cette nouvelle mesure
Ces nouvelles mesures ainsi que les nouveaux outils en ligne de suivi de cas pour nos élèves vont permettre d'assurer la sécurité dans les écoles. Notre plan de réouverture des écoles est appuyé par un médecin hygiéniste en chef. Il est exhaustif et il est pleinement financé. Nous allons fournir à nos écoles et à nos élèves les outils nécessaires pour réduire les contacts, pour augmenter l'assainissement des mains et pour améliorer les tests, pour pouvoir avoir les tests nécessaires pour améliorer la qualité de l'enseignement dans nos écoles. Est-ce que le Premier ministre peut nous en dire plus là-dessus? Réponse. Merci au député de Brampton West. J'aimerais souligner le besoin. J'aimerais souligner à quel point c'est important d'avoir de la patience et de la compréhension pour les travailleurs. Et aux parents, je demande d'être compréhensif et patient avec les employés. Nous travaillons de façon collaborative avec une excellente équipe. Nous avons besoin d'une équipe qui pourra retirer les élèves de l'école lorsqu'ils présentent des symptômes. Nous avons déboursé l'argent nécessaire pour répondre à la saison de la grippe. En ce moment, nous avons les cas les plus bas en termes en termes d'Amérique du Nord par habitant et à tout le monde. On tient à dire que ce sont les travailleurs de première ligne et les travailleurs essentiels qui travaillent chaque jour pour maintenir la sécurité dans notre province. Et on va continuer de travailler avec tous les associés de toute obédience politique afin d'assurer que tout Ontarien est en sécurité pendant cette pandémie. Et je veux remercier chaleureusement les 14,5 millions d'Ontariens dans la province pour leur aide pendant cette pandémie. Prochaine question, député de Parkdale. Merci, ma question est pour le Premier ministre. L'un de mes commettants s'est présenté à Saint Jude pour se faire tester chaque deux semaines pour pouvoir rendre visite à sa mère de 97 ans qui vit dans une maison de retraite. Cette semaine, elle est allée se faire tester et elle a été obligée d'attendre 2h30 dans le froid, bien qu'elle s'est présentée là avant 8 heures. Karen a plus de 70 ans et elle a dit qu'elle a eu très froid pendant cette attente. Il va faire de plus en plus froid et les gens vont être obligés de plus en plus d'attendre dans les files d'attente. Alors, combien de temps est-ce que les gens vont devoir continuer d'attendre juste parce que les conservateurs n'arrivent pas à régler ce problème de test? Réponse, ministre de la Santé. Nous sommes prêts à augmenter les demandes pour les tests. Dans la région de Toronto, nous avons augmenté les capacités. À l'hôpital du Women's College, nous avons augmenté la capacité et les heures depuis le 15 septembre. Sunnybrook Hospital également, nous avons augmenté les capacités dans les heures depuis le 16 septembre. À Guerin Hospital, augmenté la capacité depuis le 17 septembre. Humber Finch, augmenté la capacité depuis le 21 septembre. Mount Sinai, depuis le 21 septembre. Toronto Western, nous avons eu de nouvelles unités de tests depuis le 22 septembre. Alors, nous répondons aux demandes d'augmentation de tests et nous sommes prêts pour une saison plus froide. Et je sais qu'à l'avenir, nous serons mieux préparés. Et nous voulons nous assurer que les gens seront à l'intérieur. Question complémentaire. Merci. Ce n'est pas seulement Karen qui n'arrive pas à avoir un accès sécuritaire au test. Hier, les temps d'attente étaient dans les hôpitaux locaux étaient de 4 heures. Avec les gens qui vont retourner au travail, les écoles qui vont réouvrir et les demandes de plus en plus élevées en tests, ces ressources auraient déjà dû être en place. On a prévenu au gouvernement qu'il n'était pas prêt pour une deuxième vague. La plupart des unités locales de tests ont les capacités déjà. Ce dont ils ont besoin, c'est plus de ressources. Alors, quand est-ce que le Premier ministre va faire de son mieux pour fournir les ressources désespérément nécessaires pour augmenter les tests avant que plus de personnes soient contaminées? Réponse. J'aimerais informer la députée que nous sommes au courant de ces demandes. Nous avons augmenté les capacités et les heures, les unités mobiles également,
Nous essayons également d'avoir des partenaires communautaires qui vont être en mesure de fournir les tests. C'est le travail que nous faisons. Mais en plus des centres de tests, on a également besoin d'avoir les réponses des laboratoires parce qu'on veut assurer que les résultats sont disponibles le plus rapidement possible, surtout pour les gens qui doivent faire tester leurs enfants pour les ramener à l'école ou qui doivent se faire tester eux-mêmes pour retourner au travail. Alors, nous avons fait de grandes avancées depuis le début. Avec la première vague, on avait seulement Santé publique Ontario qui faisait le travail du laboratoire, mais maintenant, on a une réponse qui est coordonnée avec les universités, les laboratoires des universités et des hôpitaux, également les laboratoires communautaires et les centres d'évaluation. Nous avons eu quelques centres, on a augmenté notre nombre de centres à 140. Alors, on va les augmenter également avec la deuxième vague. On aura plus de 50 000 tests par jour. Merci beaucoup. Prochaine question. Député de Ottawa Centre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma question est pour le Premier ministre. Nous savons que la propagation de la COVID-19 est en hausse partout en Ontario et aussi dans les foyers de soins de longue durée. À Weston Villa, 55 résidents et membres du personnel ont testé positif et 6 résidents ont perdu la vie. Ce n'est pas le seul foyer. Et les résidents, les familles et le personnel sont très inquiets par rapport à cela. La paix de pandémie a pris fin il y a un mois. Il n'y a aucune initiative pour augmenter les salaires des PSS. Et l'association, et Donna Duncan, qui est la présidente de l'Association des foyers de soins de longue durée de l'Ontario, a dit que la situation est terrifiante. Alors, Monsieur le Président, à travers vous, comment ça se fait que les résidents dans les foyers de soins de longue durée se retrouvent dans la même situation dans laquelle ils étaient en mars dernier? Réponse, la ministre des soins de longue durée. Merci, Monsieur le Président, et merci pour la question. J'aimerais m'assurer que chaque personne ici sache que sur les 22 foyers qui sont en éclosion en ce moment, 15 d'entre eux n'ont aucun résident, aucun cas pour les résidents. Et en ce moment, on essaie de s'appuyer sur les foyers qui ont des éclosions. Nous essayons d'assurer que nous allons créer un système de tests robuste et amélioré et que tous les foyers ont les EPI nécessaires. Les masques N95 sont inclus dans cette équation, que le personnel est appuyé par les hôpitaux et on va continuer d'émettre les ordonnances de gestion de contact le plus rapidement possible, s'assurer que nous appliquons les recommandations médecins et hygiénistes en chef. Santé publique Ottawa, on va continuer de faire tout ce qu'on peut en notre pouvoir pour assurer la sécurité des résidents et du personnel. Question complémentaire? Monsieur le Président, c'est déjà vu. En mars dernier, le Premier ministre a attendu plus qu'une semaine que la Colombie-Britannique et le Québec, ce qui a mené à beaucoup de souffrances dans les foyers de soins de longue durée. Ce qui me semble, c'est qu'il y a eu une décision d'attendre le gouvernement fédéral pour qu'il donne de l'argent à la province, mais les autres provinces n'ont pas attendu. Ils ont passé au geste. Ce retard est venu à un coût. Et on se trouve dans la même situation. Ah, il y a des millions de dollars de fonds pour commencer et les fonds d'urgence du Premier ministre. Monsieur le Président, m'adressant à vous, est-ce que le Premier ministre peut dire aux familles, au personnel, pourquoi il n'a pas préparé les foyers de soins de longue durée pour une deuxième vague? La ministre des Soins de longue durée. Merci et merci pour cette question importante. C'était un effort continu pour assurer qu'il y ait une bonne dotation du personnel depuis qu'on est devenu un nouveau ministère et cela démontre l'engagement de ce ministère. Un ministère dévoué à l'identification des questions de long terme, négligé par le gouvernement précédent et appuyé par l'opposition. Et le député d'en face, qui était l'adjoint parlementaire à la ministre des Soins et de longue durée pendant de longues années, nous comprenons la nature
des questions des préposés de soutien personnel. Et je les remercie du fond de mon cœur du travail qu'ils font à chaque jour, du fond de mon cœur. Alors, on va continuer à traiter la question du paiement, la nature du travail, intégrer le travail qu'ils ont. Le député d'Ottawa-Sud, à l'ordre. La ministre des Soins de longue durée. Quand le président se lève, la personne doit s'asseoir, s'il vous plaît. À l'ordre, s'il vous plaît. La question suivante, le député d'Alderman-Norfolk. Merci, Monsieur le Président. Au ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et des des parcs, on appuie la communauté ontarienne et on aide les écosystèmes. Les grands lacs de l'Amérique du Nord sont un habitat important pour beaucoup d'espèces et appuient beaucoup de plantes et d'animaux différents. Cependant, ces lacs ont des éléments de pollution, des éléments nutritifs excessifs, et donc on veut restaurer les grands lacs pour des générations à venir. Est-ce que le ministre peut nous dire ce que notre gouvernement fait pour protéger et restaurer les grands lacs? Le ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et des Parcs. Merci, Monsieur le Président, et merci aux députés voisins d'Alderman-Norfolk, un député de longue date de cette Assemblée législative et quelqu'un qui protège la nature depuis longtemps. Les grands lacs sont une partie importante de la prospérité et du bien-être de notre collectivité. Et notre gouvernement s'engage à travailler avec les partenaires pour améliorer les produits sur le terrain, pour assurer que les grands lacs soient bien et sécuritaires. On finance à peu près 6,8 millions de dollars pour plus de 65 projets menés par des collectivités locales, des universitaires, des autochtones. Et d'appuyer les gestes pour les grands lacs qui restaurent, c'est un engagement pour le plan pour l'environnement fait en environnement. On suit la promesse faite à la population ontarienne de protéger les grands lacs qui sont très importants pour l'environnement naturel et le patrimoine qu'on a. Question complémentaire? Merci. Et je veux remercier le ministre de son travail continu pour protéger les cours d'eau de l'Ontario. Non seulement les grands lacs attirent des millions de résidents, mais on donne de l'eau potable sécuritaire pour plus de 70 % de la population de l'Ontario. Le bassin d'eau appuie 4 000 espèces de poissons, d'oiseaux et d'autres animaux. Cependant, on a des défis comme la pollution du sel, et on sait que la restauration est critique. Monsieur le ministre, quels investissements vous faites pour aider à la santé des grands lacs et les écosystèmes qu'ils appuient? Le ministre de l'Environnement. Merci. Merci. On a fait un engagement à la population ontarienne pour le plan pour l'environnement fait en Ontario pour poser des gestes concrets. L'été dernier, l'Ontario, le gouvernement canadien, a dévoilé une première version d'un nouveau accord Canada-Ontario sur la qualité de l'eau et la santé des écosystèmes des Grands Lacs. Et cet accord a aidé les experts. Et bâtissant sur ces efforts, on va investir jusqu'à 1,67 million de dollars qui va donner à des groupes locaux jusqu'à 50 000 dollars sur des projets de protection et de restauration des côtes. Monsieur le Président, d'appuyer des gestes locaux qui protègent et restaurent les lacs, c'est un engagement clé dans le plan environnemental fait en Ontario pour assurer que les ressources en eau et les écosystèmes soient appréciés maintenant et dans l'avenir. Question suivante, la députée de Waterloo. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Finances. Pendant la période des questions, le ministre a dit qu'il parlait de ses aptitudes d'écoute parce que c'est son travail d'entendre les gens comme Michael Wood, le président de marketing aux événements spéciaux.
Ils ont envoyé un courriel plus tôt cette semaine. Il veut des gestes, il mérite. Il inclut donner du soulagement aux loyers commerciaux pour les locataires basés à la perte de revenus et obliger les compagnies d'assurance à donner la couverture de responsabilité et d'assurance d'interruption. Michael a dit que certaines industries peuvent changer, mais d'autres ne peuvent pas. Des PME comme celle de Michael et beaucoup d'autres comptent sur ce gouvernement à faire plus. Monsieur le Président, un ministre, qu'est-ce qui s'en vient? Où est le plan? Et quand est-ce que les gens d'affaires peuvent avoir une réponse? Le ministre des Finances, merci à la députée et merci à Michael de cette rétroaction. Ça me donne l'occasion de donner une mise à jour à l'Assemblée législative du progrès que l'aide au logement que ce gouvernement en coopération fédérale a donné. Plus de 296 millions de dollars a été donné pour appuyer 55 000 entreprises en Ontario, tout ça. Cela représente 544 792 employés qui travaillent pour ces entreprises. C'est le soutien qu'on a donné jusqu'ici. On a aussi en discussion, et je peux parler publiquement, avec la ministre Freeland et le gouvernement fédéral à la révision de ce gouvernement. On pense qu'on peut améliorer ce programme et on a donné des suggestions. On a donné ce soutien avec 10 millions de dollars d'allègement fiscal et des réductions pour les taxes pour les employeurs. On continue à écouter. Et il y a des questions importantes. Il faut qu'on écoute, comme ce gouvernement a entendu, les gens qui sont très importants pour l'économie, les PME. Question complémentaire. De pousser la dette plus tard n'aide pas les entreprises et je suis fatigué de me répéter les mêmes points et les entreprises aussi. Des gens comme Michael Wood et les organismes Save Small Business, sauver les petites entreprises, luttent. Cet organisme a dit on a arrêté. En fin de compte, les politiques ont été retardées, ont été diluées et sont compliquées. Le gouvernement devrait apprendre de ces erreurs, ne pas refaire, continuer à refaire les politiques qui n'ont pas eu de succès. Au ministre, quand est-ce que ce gouvernement va avancer avec un vrai plan de soulagement économique en Ontario et arrêter d'attendre que le gouvernement fédéral fasse votre travail? Le ministre des Finances. Monsieur le Président, ce gouvernement continue à écouter. Et c'est drôle que l'opposition critique un petit programme où on a payé 544 000 emplois, même dans la suggestion de la députée. J'ai eu la chance de parler à Bob et Christina, qui ont une PME, et on a parlé comment on appuie les PME. Et on écoute. Je fais la demande à cette Assemblée législative pour tous les députés de nous donner des idées directement. Et je n'étais pas surprise. Des douzaines de mes collègues de notre côté l'ont donné. Et j'aimerais remercier les trois députés de l'opposition qui ont donné. Interruption du président. La députée de Waterloo, à l'ordre. Le ministre associé de l'Énergie, à l'ordre, s'il vous plaît. La ministre des Services à l'enfance, des services sociaux et communautaires, à l'ordre, s'il vous plaît. Le ministre des Finances pour la conclusion de ses réponses. Pour conclure, je remercie les trois députés de l'opposition qui ont donné la parole. De Miskeko Bay James, le député a donné. Du député de Sudbury, c'est apprécié. Et de Windsor-Tecumseh. Et je pose la question du reste des députés de l'opposition. Pourquoi ils n'ont pas pris l'occasion de donner cet apport pour le budget de novembre qui va appuyer les PME et qui va assurer qu'on puisse continuer à donner cet appui? Arrêtez la pendule. On est à deux tiers, on a encore beaucoup de travail. Il faut qu'il y ait de l'ordre dans la Chambre, s'il vous plaît. Let's restart. Redémarrons la pendule.
Et on recommencera. La question suivante, la députée de Scarborough-Gilbert. Merci. Ma question s'adresse au ministre de l'Éducation. C'est pas surprenant, les chiffres d'infection de la COVID explosent. Juste hier, le chef du Parti conservateur du Canada, Aaron Toole, et sa famille ont été rejetés des tests à Ottawa et ils ont été testés aujourd'hui à Gatineau. Quand les écoles ouvrent, un grand nombre d'écoles du conseil scolaire de Toronto ont eu des cas, ce qui force un moment en ouvre. C'est pourquoi j'ai reçu une demande d'une famille concernée qui ne peut pas envoyer les enfants en bonne voie, mais qui sont empêchés d'avoir l'apprentissage virtuel. Si il y a une inclusion, les étudiants auront besoin de rester à la classe. Les conseils scolaires font tout ce qu'ils peuvent avec tout ce qu'ils ont. Ils utilisent même les fonds d'urgence. Monsieur le Président, comment est-ce que le gouvernement va s'assurer que la continuité de l'éducation en maintenant la sécurité des enseignants, des élèves et des familles? C'était ce gouvernement qui, quand des étudiants ont été envoyés à cause de la pandémie, la première pays, c'est non ce gouvernement qui a été là. Je ne me souviens pas d'un seul député qui était avec un parent d'insister que la qualité de l'éducation continue. Il était sur silence et c'est inacceptable tout aux parents de la province pour assurer que leur enfant ait accès à une éducatrice et un éducateur et au programme. Interruption du président. À l'ordre, s'il vous plaît. Le ministre de l'Éducation, il peut terminer sa question. C'est regrettable quand les parents vendent leurs affaires qui apprennent qu'ils ont accès à un enseignant. On n'a pas d'unanimité d'objectif. Aujourd'hui, notre gouvernement a donné un objectif de 75% d'apprentissage synchronique en classe. Question complémentaire. Si on a été silencieux, vous n'avez pas répondu à l'appel parce que les conseils scolaires, les fédérations ont demandé où vous étiez, pourquoi il n'y a pas une table pour traiter de l'intégration des écoles. Monsieur le Président, l'inscription en salle de classe est à la baisse parce que le ministre de l'Éducation n'a pas donné une raison pour que les familles aient de la confiance qu'ils seront sécuritaires. Certaines des écoles qui ont le moins d'inscriptions sont dans ma circonscription, dans des quartiers pauvres de notre ville. Les programmes nutrition des écoles donnent de la sécurité alimentaire aux enfants. Il y a beaucoup de façons comment la pandémie a augmenté l'inégalité dans nos réseaux d'éducation. Pour les élèves, la sécurité alimentaire n'a pas été améliorée pendant la pandémie. Ce gouvernement a dépensé juste 1% de tout le financement qui a été donné. Monsieur le ministre, quel est votre plan pour que les enfants sur les marches soient en sécurité et qu'on réponde à leurs besoins? Le ministre de l'Éducation. Merci. Quant à l'équité, on est concerné du fait qu'on cause plus de problèmes et plus de différences. Et c'est pourquoi le ministre Smith a annoncé $1 million additionnels au programme alimentaire dans les écoles. Dans les communautés à haut risque, à Scarborough, par exemple, on a imposé des plafonds pour limiter le nombre d'élèves à 15 de jardins d'enfance à la quatrième année et 20 par la suite. Et donc, il y a eu des milliers d'éducateurs et éducatrices en première ligne. Tous les conseils scolaires, et j'ai rencontré les chefs de l'hôpital général de Scarborough pour savoir s'il avait de la capacité, s'il avait une inclusion. Et on investit et on reconnaît qu'il y a plus à faire, mais on sera là pour les élèves. Question suivante, le député de Mississauga Lakeshore. Merci. Ma question
s'adresse au ministre associé délégué aux petites entreprises et à la réduction des formalités administratives. Beaucoup d'entreprises étaient obligées de fermer pour arrêter la propagation de la COVID-19 et beaucoup de PME ne pouvaient pas survivre suite à la perte à la fermeture de leurs entreprises. Qu'est-ce que le ministre a fait pour aider les entreprises à avoir des ventes numériques? Le ministre associé délégué aux petites entreprises et à la réduction des formalités administratives. Merci aux députés. Par le programme Digital Mainstream, on a donné 57 millions de dollars pour aider les PME pour qu'ils puissent devenir numériques. 22 900 entreprises ont créé d'emplois pour à peu près 1 400 étudiants. Et donc, c'est l'initiative la plus importante de devenir numérique dans le pays. 60 % des entreprises ont un site web, mais seulement 7 % ont une solution de paiement en ligne. Les entreprises canadiennes sont en arrière de leurs homologues américains dans l'ensemble de 2 ans par rapport à ces homologues-là. C'est plus important que jamais d'assurer que les entreprises puissent faire un changement et avoir des solutions numériques pour vente et pour les consommateurs de la province et du pays. Question complémentaire? Merci, Monsieur le ministre, de tout votre travail. Est-ce que vous pouvez donner une mise à jour? Comment notre gouvernement va continuer à fermer les lacunes numériques et on va donner plus d'occasions numériques pour des communautés rurales éloignées en Ontario? Le ministre associé. Merci encore une fois. Avec le programme Mainstream Digital, on a travaillé main à la main pour assurer que les entreprises aient de l'Internet fiable, en particulier dans les zones rurales, avec la ministre de l'Infrastructure. Et on fait du travail. On sait que l'Internet rapide est important quand on s'adapte aux nouvelles réalités. Autant que 12 % des ménages en Ontario n'ont pas de service ou ont un mauvais service. On veut créer des entreprises pour des propriétaires de PME et avoir accès à l'Internet fiable pour pallier à cette barrière numérique. Le marché mondial continue et pour que l'Ontario soit en cohérence, il faut qu'ils aient les outils. Et cela, avec l'investissement de 57 millions de dollars de Digital Main Street, veut assurer que les entreprises puissent participer à l'économie d'aujourd'hui. Merci. Question suivante, la députée de Toronto Centre. Merci. Ma question s'adresse au Premier ministre. J'ai eu une discussion virtuelle avec des parents, des conseillers scolaires et d'autres. Mesite, une mère, a dit que ce gouvernement n'a pas suivi le conseil des experts. Mesite et d'autres parents sont alarmés que les enfants vont en salle de classe où il y a 27 élèves au plus, où ça sera impossible d'avoir de l'éloignement social. Ma circonscription est la plus populée au Canada et les risques sont très élevés. Me cite est préoccupé que sans des gestes urgents de maintenir la limite d'élèves dans les salles de classe, on pourrait être vraiment à risque. Me cite demande à ce gouvernement d'investir pour avoir moins d'élèves en classe. Est-ce que le Premier ministre va écouter? Le ministre de l'Éducation. Merci. Merci aux députés en face de la question. En fait, la province investit plus de 200 millions de dollars au conseil scolaire de la province pour qu'il puisse embaucher plus d'éducateurs et éducatrices. C'est ce qui se passe sur le terrain. Chaque conseil scolaire qui utilise cet argent, en plus de 496 millions de dollars qui ont été alloués, ils peuvent demander qu'il y ait 5 000 éducateurs qui puissent être embauchés de plus. Et beaucoup de conseils scolaires l'ont fait. On a apporté des
touche multiples de prévention, nettoyage accru, assainissement, plus de tests, les protocoles de création des cohortes, de minimiser les contacts, et on essaye de pallier à cela. Question complémentaire. Avec tout le respect, de retour au ministre, c'est pas ce qui a lieu dans ma collectivité. Et des enfants dans ma collectivité sont oubliés par votre gouvernement. Les parents, éducateurs, éducatrices paniquent. Et j'ai entendu d'une autre enseignante qui était préoccupée, il travaille dans un gymnase avec une place de 60 cm entre les pupitres, tout simplement. Et il a plus de 30 étudiants dans certaines classes et c'est plus qu'avant la pandémie. Les parents pensent que ce gouvernement ne s'en fiche pas de la santé des enfants. Pas assez pour financer un plan qui va fonctionner et on limite le nombre d'élèves. Pourquoi on n'a pas de financement pour avoir moins d'enfants en salle de classe afin que ça soit sécuritaire la rentrée scolaire? Le ministre de l'Éducation, la directrice d'éducation, Carlene Jackson, du Conseil scolaire de Toronto, va pouvoir, parce que la province de l'Ontario a donné le financement. On fait ça dans tout le Conseil scolaire de la province. La Dr. Khan a dit que c'est important de cibler les communautés à grand risque. C'est pourquoi on a donné au Conseil scolaire de Toronto, la Dr. De Villa et d'autres à Toronto pour avoir un plan. On va continuer à suivre les conseils de la santé publique pour que ce soit un retour à l'école sécuritaire. Question suivante. La députée de Burlington. Merci beaucoup. Ma question s'adresse à la solliciteur générale. Le décès tragique de tout premier intervenant touche la santé des travailleurs aussi bien que leurs proches et les proches de la personne. Quand les gens se suicident, on sait qu'on doit faire plus. J'ai demandé à la solliciteur générale le panel de revue dans la culture du lieu de travail de la police provinciale de l'Ontario, en fait, et aussi du fait qu'il y a eu beaucoup de suicides chez les policiers. Et beaucoup de recommandations avaient déjà été adoptées. La solliciteur générale nous a dit, est-ce qu'il peut nous donner une mise à jour quant au statut de ces recommandations? La solliciteur générale. Merci à la députée de Burlington pour cette question très importante. Elle a raison. À chaque fois, un premier intervenant s'enlève la vie, c'est une tragédie. C'est pourquoi très tôt dans le mandat du gouvernement, on a demandé, organisé un groupe d'experts indépendants pour appuyer la police provinciale de l'Ontario. Et la dernière fois où j'ai donné une mise à jour, j'ai indiqué que 2/3 des recommandations étaient adoptées et le reste continuait. Et je peux partager qu'en réponse aux recommandations, quand il y a des pressions des agents de la PPO et à cause du manque de personnel, on a pu annoncer l'embauche de 200 autres agents de police de la PPO, la police provinciale de l'Ontario, aussi bien que l'investissement pour un poste de psychologue et un investissement de 3,8 millions de dollars pour la santé mentale. On a travaillé aussi l'association des agents de police pour avoir un programme de santé mentale au travail pour aider leurs membres. Merci. Question complémentaire. Je suis content d'entendre que le gouvernement travaille pour adopter les recommandations du groupe d'experts indépendants pour appuyer la santé mentale et le bien-être des agents de première ligne de la police provinciale d'Ontario et d'autres. Et c'est important pour que les communautés continuent à être en sécurité. Quand on continue à lutter contre la COVID-19, les gens à Burlington et dans la région des Halton sont préoccupés quant à la sécurité. Pendant
dans cette époque difficile, personne ne doit vivre à la peur. Est-ce que la solliciteur générale peut nous dire comment l'investissement dans les agents de première ligne peut assurer la santé, la sécurité plutôt et le bien-être de la population, en particulier à Halton? La solliciteur générale. Ce travail n'est pas fait en silo avec la PPO, le bureau, le ministère du solliciteur général. C'est incroyable qu'on a le premier ministre responsable de la santé mentale annoncé par le premier ministre, le ministre associé délégué à la santé mentale. Et cela démontre l'engagement qu'on a en tant que gouvernement pour assurer qu'on fasse les choses de la bonne façon. Et on continue cet engagement. Je suis content de partager dans la circonscription de la députée de Burlington. Le service policier de Halton a reçu jusqu'à 6 millions de dollars pour le financement et des bourses pour réinvestir des actifs saisis des criminels. Ce financement aide à l'engagement de la région, à engager le public et mobiliser des partenariats par un bureau régional de mobilisation. On veut s'assurer qu'il y a la sécurité dans toute la région. Il y a une table locale de situation et la participation dans le processus de planification du bien-être et sécurité de la région. C'est des exemples spécifiques des choses qui se passent partout en Ontario. Merci. Question suivante, la députée de Thunder Bay Atikokan. Merci. Ellen Chambers, le président du conseil scolaire de Lakehead, a écrit au ministre, et j'ai une question pour le ministre. Elle a écrit, on lutte contre un virus 10 000 fois plus petit qu'une graine de sel. Avec un portefeuille vide. Vous avez dit qu'on utilise les fonds de réserve. Même si c'est bien quand on le dit, la réalité est bien plus difficile. Le conseil scolaire de Lakewood a demandé à ce gouvernement provincial et des mises à jour pour la ventilation, l'équipement de santé et sécurité et à cette distance dans les salles de classe et dans les autobus. Quand est-ce que ce gouvernement va financer une rentrée scolaire sécuritaire finalement? Le ministre de l'Éducation. Merci et merci à la députée d'en face. Il y a beaucoup de conseils scolaires qui la représentent à Thunder Bay et ils ont 4,7 millions de dollars qui ont été donnés pour embaucher plus d'éducateurs et éducatrices et pour assurer une expérience d'apprentissage sécuritaire. Il y a plus d'infirmières de santé publique, on a doublé la capacité et on se rend compte dans les zones éloignées qu'on continue à avoir une lacune. On veut s'assurer que plus d'écoles soient connectées à l'Internet, ce qui serait très important pour l'apprentissage. On a donné 51 000 $ pour avoir plus d'équipements et en particulier pour l'apprentissage à distance, pour améliorer la capacité de pouvoir rejoindre autant d'élèves que possible. Question complémentaire finale. Merci. Monsieur le Président et ministre, Monsieur le ministre, merci pour la réponse. Raymond Roy, le président du conseil scolaire de Rainy River, a écrit au Monsieur le ministre. Il reconnaît l'argent qu'ils ont reçu, mais il a dit que ce n'était pas assez pour les 1,9 million de dollars pour la rentrée virtuelle et le fonds de réserve qu'ils avaient était passé. Il a conclu dans sa lettre les coûts extraordinaires associés à la rentrée scolaire sécuritaire devraient être couverts par la province afin qu'on réponde à ce défi sans précédent qui est la COVID-19. Qu'est-ce que le gouvernement attend? Nous avons fourni 4,7 millions de dollars un conseil scolaire pour leur permettre d'engager plus de personnel, 5 000 $ pour d'autres priorités afin de répondre à la COVID, 2 000 pour plus de concierges. Nous avons aussi 2 000 $ de plus pour le personnel en matière de santé mentale et pour 83 000 aussi pour les élèves à besoins spéciaux. Nous fournissons plus de ressources, plus de personnel et une meilleure capacité afin de répondre aux défis que présente la COVID-19.
Prochaine question, député de Perth Wellington. Merci. J'aimerais remercier mes collègues de m'avoir donné une excellente ovation. Ma question est à la ministre associée des PME, des transports, pardon. La COVID a affecté grandement le transport en commun dans la province. Alors que les gens sont restés à la maison, ça signifie qu'on n'utilisait pas les autobus ou le métro, ce qui fait en sorte que le nombre d'usagers a diminué. Et alors qu'on commence à rouvrir tranquillement, plusieurs agences auront besoin d'aide pour s'assurer que les autobus peuvent demeurer fonctionnels. Ma question à la ministre, c'est qu'est-ce que fait la ministre, la province, pour s'assurer que les transports en commun soient sécuritaires pour tout le monde, peu importe où ils se trouvent en Ontario. La ministre associée des Transports, je remercie le ministre de Perth Wellington pour son bon travail. Depuis le début de la pandémie, on est en contact avec nos partenaires municipaux sur la façon dont on peut les appuyer. Plus tôt cet été, on a publié notre document sur le transport en commun qui établit les meilleures pratiques pour les organismes, les exploitants ainsi que les passagers. Nous avons donné 15 millions aux agences pour aider avec le nettoyage. Nous avons appuyé notre premier ministre dans la négociation de l'accord pour la reprise sécuritaire qui offre 2 milliards de dollars pour diminuer les pressions sur le budget des municipalités. Nous travaillons ensemble afin de nous assurer que le transport en commun soit sécuritaire pour toutes les Ontariens et tous les Ontariens. Complémentaire, j'aimerais remercier la ministre de son excellente réponse. J'ai été heureux de voir le 7,5 millions de dollars de ce 2 milliards qui a été attribué à différents organismes dans les municipalités de Perth Wellington. Que ce soit Stratford qui a reçu 487 000 dollars ou West Perth qui a reçu 16 000 $ les organismes de transport en commun dans ma circonscription étaient soulagés de voir qu'on leur a apporté une aide. Est-ce que la ministre peut nous dire ce à quoi peuvent s'attendre les municipalités avec cet argent et si ce 7,5 millions qui est fourni sera assez pour les municipalités de Perth-Wellington? La ministre associée des Transports. Merci, Monsieur le Président. On reconnaît que les organismes de transport voient moins d'usagers et plus de coûts associés au nettoyage amélioré. Ce financement est la première étape. On travaille fort au ministère pour nous assurer que chaque municipalité puisse obtenir le soutien dont elle a besoin le plus rapidement possible. À la fin de l'exercice financier, on aura une autre phase de financement qui sera fournie une fois que nous recevrons les évaluations financières de chaque municipalité sur leur transport en commun. Que ce soit à Toronto ou à Stratford, on veut que les gens sachent que le transport en commun est fiable. Député de Mishkegawak, James Bay. Monsieur le Président, ma question est pour le premier ministre. Lundi dernier, le Conseil scolaire public du Grand Nord de l'Ontario a fait savoir aux parents qu'ils pourraient fermer la salle de classe pour une journée, car ils n'ont pas de suppléants. Ça veut dire que si un enseignant tombe malade ou si l'enfant d'une enseignante a le nez qui coule, des dizaines d'enfants ne pourront pas aller à l'école et leurs parents devront s'absenter du travail. Pourtant, le ministre de l'Éducation nous a martelé à répétition avec l'idée que les conseils scolaires ont pu embaucher du personnel supplémentaire. Mais je crois qu'il a bel et bien oublié les conseils francophones, spécialement dans le nord de l'Ontario. Qu'avez-vous à dire aux gens du nord de l'Ontario, aux parents, aux enfants francophones qui risquent de manquer la journée d'école car ils n'auront pas d'enseignants? Merci. Ministre de l'Éducation, je remercie le député de sa question. C'est qu'il manque des enseignants francophones. On travaille de près avec le ministère des Affaires francophones pour assurer l'accès aux enseignants. Et on travaille aussi avec le corps professoral pour voir la façon dont on peut
encourager l'immigration des enseignants francophones en Ontario. Même chose avec les enseignants suppléants. On veut s'assurer qu'il y ait une bonne formation. On a investi 10 millions de dollars là-dessus. On continuera de travailler avec ce conseil scolaire. On donne plus de ressources pour que ces élèves puissent aussi avoir une éducation positive avec la COVID. Merci. C'est tout le temps qu'on avait pour ce matin et pour cette semaine. Je désire renseigner la Chambre que, conformément au règlement 101C, il y a eu un changement à l'ordre de préséance sur la liste des billets de députés. M. Cramp aura le billet 19 et M. Babikian aura le billet 62. Conformément au règlement 36A, le député d'Ottawa-Sud a fait part de son insatisfaction à la réponse à sa question donnée par la ministre des Soins de longue durée en ce qui a trait à la deuxième vague de la COVID. Nous en débattrons mardi à 18h. Le leader parlementaire du gouvernement pour un rappel au règlement. Merci. Conformément au règlement 59, j'aimerais annoncer les affaires des prochaines semaines. Le projet de loi 182 pour changer la loi sur l'emblème par le francophone, l'avis de motion 88, l'avis de motion 89, le projet de loi 202 au nom du ministre Smith, le projet de loi 131 sur le mois du patrimoine tibétain au nom de Mme Carpoche et un projet de loi qui sera déposé plus tard cet après-midi. Merci. Il n'y a rien d'autre à l'ordre du jour. Nous sommes en pause jusqu'à 13 heures.